Merci, camarade Reyes. Et donc, beaucoup prendre ce qu'il te fait dire. D'abord, il est vraiment triste qu'il nous peine, camarade René, parmi nous, camarade Sarah qui fait quitte nous, ton Taner qui est parmi nous, camarade Bégué, et autant de camarades qui finissent décédés et qui nous donnent un coup de main pour création, ça, ce qu'on appelle, ce qui nous bénit aujourd'hui, un monument de la CTSP. Et d'abord, bonne fête à tous les camarades qui ont sa plateau là et aussi les camarades qui peuvent suivre au Facebook. Il vraiment fait chaud au cœur qui nous est capable de continuer notre travail malgré qu'il n'est pas fini capable de gagner la permission nécessaire parce qu'il est trop short notice pour nous caler au chemin malgré qu'il déconfinement terminé aujourd'hui. C'est un jour vraiment spécial. C'est la deuxième année qui nous peut faire nos activités 1er mai, la fête des travailleurs. L'eau, ben les réseaux sociaux. Et ce qui est plus formidable encore, c'est que ben camarade commence à prendre l'importance pour connaître que les réseaux sociaux sont importants et commence à gagner pour apprendre comment pour rentrer au Zoom, ben petite discussion qu'il fait avant qu'il nous rentre live au Facebook. C'est vraiment formidable pour tous les ben camarades Pécosi. Et je remercie tout pour ça parce que sans ben camarade, CTSP pas existé. Sans travailler, CTSP pas existé. Et la lutte bien continuer dans ce sens-là. Donc, avant qu'il me donne trois points qui me décide pour comme message aujourd'hui, moi j'ai envie aussi une pensée spéciale à une camarade syndicaliste qui est très très malade, qui se tout connaît, c'est camarade Rachid Emrit, et qui est bien malade et qui finit demande qui nous garde dans nous la prière. Et il contribue énormément et il peut continuer à contribuer énormément pour la lutte syndicale. Nous souhaitons une bonne santé. Donc, une pensée spéciale pour camarade Rachid Emrit en ce jour-là. Je tenais aussi dans mon message pour dire un grand merci à Ban Dimoun qui travaille dans l'hôpital. Ban petit petit jusqu'à plus grand. Ban qui ramasse saleté, Ban qui fait transport, Ban qui nettoie la salle, Ban patient. Ban nurse qui à côté ban di moun ki malade chaque jour, ban docteur, ban infirmier et tout ça ban di moun qui travaille dans le laboratoire, peut faire ban test, ban di moun qui travaille avec ban di moun cancer, ban di moun qui travaille avec ban di moun peut faire dialyse. Une petite réflexion qui me fait c'est que ça ban di moun là si nous fait un moi pas connais pour au niveau Maurice peut-être ban camarade dans plus renseignement mais mon rendement compte qu'il y a beaucoup de moun là-dedans qui sont malades. Pour une simple raison, c'est que ça ban di moun là, malgré qu'ils soient prêts avec danger là, sa bébé qui appelle COVID là, ça ban di moun là peut connaître qu'il y a des précautions de bien prendre. C'est ban di moun qui peut frôler la mort tous les jours, mais ils peuvent prendre des précautions. Ils ont dans un masque, ils ont dans un ligand, ils ont dans un alcool, c'est pas sanitizer, ils peuvent laver leurs mains. Et la nuit, les jours, ils ont que ça ban di moun là, ils peuvent retourner dans la case, mais pourtant, ils ont bien. Alors, comme au guet réseau sociaux que tout ban di moun comment dire mettre dire comme ça que ça nous peut sortir là mais dans bis pas prendre social distancing qui c'est là qui est responsable ou la vie camarade c'est vous-même c'est pas se faire contrôler le gouvernement l'opposition ou c'est soi qui est responsable ou la vie moi je pense ça que di moun nous besoin apprendre vivre avec COVID parce que si nous pas à travail nous pas prendre l'argent pour continuer faire nos familles vivre comme besoin. C'est vrai, nous gagnons un ticket de casse. Mais si nous gagnons un ticket de casse, c'est la faute de nous-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas assez organisés pour faire que le patron comprenne que quand tu gagnes 200 000 roupies, toi, ce n'est pas normal qu'il me gagne 10 000 roupies, moi. Quand nous organisons, quand nous sommes ensemble, c'est à cause de ça qu'ils sont capables, c'est comme ça qu'ils sont capables d'augmenter nos salaires. Et qu'un petit groupe de monde tout seul n'est pas capable. À cause de ça qu'ils sont contents comme un jeune, puis lance une invitation qui est un jeune. Bien rentre dans le syndicat et que c'est que bien capable. Tout ce qu'ils ont grands-parents in la guerre, pour une maternité leave, pour une bonne fin d'année, pour tout ça, ben, ça fait que nous arrivons jusqu'à aujourd'hui là. Nous continuons, nous amenons une portable, ça va une salle à Wenspen, redundancy board, nous amenons un workfare programme, nous demandons au gouvernement externe, ben, ça fait pour qu'il dit, nous pas perdu, pas ce travail brut. Mais ben, jeunes, bien continuer ça la vie là. Et que mon deuxième point pour me dire, qui un syndicat dans le secteur privé sur la force ou zizli pour qui quantité l'accord collectif l'y signé. Syndicat dans le secteur privé n'est pas pareil comme un secteur public.
secteur public, chaque 5 ans, le gouvernement vient, puis il sorti, puis il négociation, puis il ça. C'est que le gouvernement a décidé ça même. Dans le secteur privé, vous avez apprendre, vous avez la loi, écoute la, connaît qui peut changer dans la loi tous les jours, et fait améliorer la loi là à travers un accord collectif pour chaque secteur, pour dire que vous avez ce droit. Mais en même temps, il est passionnant. 35 ans dans la lutte syndicale, vous êtes capable à guetter au niveau du tribunal qui quantité l'accord collectif, camarade Reaz et moi-même, et ben camarade Tipebini, qui quantité l'accord insigné. C'est ça qui est comme ça qui vous un syndicat dans le secteur privé. Pas oublier ça jamais, qui quantité l'accord collectif insigné pour améliorer les conditions travailleuses. Et en dernier lieu, mon message, c'est pour dire ben camarade qui formation est extrêmement importante. CTSP, depuis sa création, il fait formation. Nous, c'est l'organisation dans le pays qui fin donne l'importance à la santé et la sécurité au travail. Nous avons un expert qui accompagne nous, nous avons un docteur professionnel qui occupe maladie professionnelle. Nous avons un consultant qui guette la santé et la sécurité au travail, qui donne nous formation à tout moment, qui accompagne nous. Et nous continuons toutes les années, nous avons un cours de formation pour nous déléguer, pour connaître comment nous besoin d'agir à l'autre site, vis-à-vis de notre patron, vis-à-vis de notre travailleur et comment organiser travailleurs. Certainement, nous devons innover. Pareil comme nous, l'organisation, nous travaillons dans la construction, nous sommes affiliés à une organisation syndicale qui s'appelle BWI. L'IPCV, trois mots, j'espère que vous m'avez c'est online, outside, organize. Trois O. C'est pour ça que CTSP, depuis janvier, nous avons décidé que nous pouvons rentrer dans notre la case. Travailler en vie connaît un nouveau la loi venue en 2019. Qui est là dans la loi là? Travailler pas gagner le temps à lire sa livre, c'est pas plus qui s'en passe. Il y a envie qui nous dit aller bout par bout, qui est là dans la loi là. Et nous pouvons faire une petite vidéo. 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, puis ban camarade, ban zénès pour aider nous pour monter. Et nous pour rentrer dans notre la case à travers WhatsApp. Ou bien le YouTube channel, qui est pour connaître bout par bout. Quand patron peut faire mari en nous, section 114, comment nous sommes capables d'attaquer patron là? Quand nous sommes enceintes, qui a une facilité qui nous a et qui a une condition de travail nous a? Patron peut mettre nous dehors, qui nous besoin faire, qui fait un arrêt d'un antibode pour certains, qui fait équipe. Comme ça, mon camarade, il y a tellement de petites choses dans la loi qui nous pouvons venir dans notre case et qui nous pouvons porter avec nous. Donc, mon camarade, ça c'était mon message pour vous aujourd'hui. J'espère qu'ils se passent une bonne journée avec votre famille, un bon petit repas. Pas trop dépenser de casse dans le supermarché, tout ça là. Vous êtes une pièce sacrifice pendant l'année qui nous passe. Je ne connais qui l'importance, qui nous connaît, qui nous besoin manger, qui nous pas besoin manger. Pas soutenir ben des gens qui montent prix, dénoncer. Bonne fête avec votre bonne famille et bonne journée de la fête des travailleurs. Merci, bonne camarade. Merci, camarade Jane. Joli message. Il y a beaucoup de vérité, mais surtout, il y a beaucoup de messages dedans. Mon camarade, merci d'abord de tout. Bonne guerre à l'occasion là, aujourd'hui, ensemble, et tout le monde, les autres camarades qui n'ont pas de messages, pour nous faire une petite réflexion, quand nous sortir, quand nous aller. Pas plus tard qu'hier, finalement, un débat qui Radio Plus finit organisé. Le plateau tient un représentant patron, tant mieux. Tient un représentant gouvernement du ministère du Travail. Et tient un représentant, écoute-moi bien, pas du syndicat, d'un consultant. Un consultant qui, Lilin Djali franc, les conseils patron et les conseils travailleurs aussi. Moi, j'invite juste à guetter ce programme-là. Mais ce qui me manque moi, dans ce programme-là, d'ailleurs, me remercier, représentant patron, pour l'honnêteté. Débat qui fait la nouvelle normalisation. Et représentant patron, fin de dire, nous avons 3 phases dans sa nouvelle normalisation-là. N, c'est l'apport technologique. Je dis vitesse qui technologie peut avancer. Et bientôt là, peut-être dans quelques mois, Boutan, technologie 5G, il finit rentre à Maurice.
Et qui ça pour dire quand c'est exé rentré, ou vous trouvez encore. Ce deuxième point, c'est nouveau configuration du travail. Et bien, aujourd'hui, nous tous qu'on work from home, mais nous bien pensons aussi work from anywhere. Pas juste from home, n'importe quoi de ça, où vous êtes capable de jouir et répondre à l'agence à au travail. Et troisième point, l'inminier, nous bien prendre en considération robotisation de nous l'économie. Ça veut dire, avec l'apport technologique, aujourd'hui, une machine pour remplacer le travail. Et c'est un monde honnête. Mais dans ces trois nouvelles normalisations-là, ce n'est pas une affaire qui est finie de décider, qui est l'autre de l'agenda avant COVID. COVID, comment on le dit, COVID is nowhere in the picture. Ces trois étapes-là, l'ITI peut arriver parce qu'il finit de décider l'ITI peut arriver. Et c'est ça, nous, plus grand défi. Jeudi, COVID est fini, comme une malédiction pour le monde, comme un gros problème pour les gouvernements qui rentrent en récession économique, mais comme une bénédiction pour les forces capitalistes du monde. Et ça, ce n'est pas moi qui dis ça. Si vous allez sur Internet, vous trouvez. Dans la période de COVID, il fait plus beaucoup de milliardaires dans le monde. Dans l'entreprise, il fait plus beaucoup de profits. Et aujourd'hui, à cause de COVID, je ne remets en cause beaucoup de droits acquis de mes travailleurs. Laisse-nous guetter un coup dans Maurice. Rappelle le 28 avril, mon petit désordre. Dans 6 mois, il faut arrêter cause de COVID parce que nous pouvons arriver ce qu'ils appellent immunité collective par 60% de la population finit vaccinée. Ben, Mochenato, avant 6 mois, il finit comment se cause. Jane fait que j'ai l'italien là. Je dis, sous qui prétexte ou pas dire au patron comme ça, ou bien dans le transport qui vous pouvez travailler, parce qu'il y a 15 dimoun, hein, Mantivan là, ça y a 17 dimoun. Mais le patron là pour rire de figure. Parce que le gouvernement dit dans 60 places, amène 70 personnes. Sous qui prétexte aujourd'hui ou pas dire ça? En fait, les décideurs politiques de nos pays, je peux suivre le trend, ce qui peut passer dans le monde. Hier, je me trouve dans Israël, une des plus grandes fêtes de man juif qui me fait, et 45 personnes sont mortes, pas cause de COVID, hein? Parce qu'il y a overcrowding. Dans ce pays sorti, je ne mange pas au Cameroun. Ou imaginez-vous, nous pas cause social distancing, dis même pas tena, tensing là, loin ça. Comment je dis ou vous capable de dire que nous besoin garder les gestes barrières et tout, ça, c'est une propagande qui peut aller là. Comment vaccin vini faut, nous pour retourner à la normale, pour les business, les pour business as usual. Il veut dire quoi pour nous en tant qu'organisation travailleuse? Pour nous ici, plus que jamais, nous devons organiser nous, la lutte devons continuer parce qu'il nous peut gagner ban challenge, ban défi qui souvent des fois invisible et au plus grand adversaire, il n'est pas pour patron, il est pour travailler lui-même. Quand nous vous disons travailler là, vous connaissez, work from home, attendre, nous réfléchir, nous discuter, ça travailler là risquer de trouver comme sur l'ennemi, parce que lui pense, dans seul la case, lui pour plus well off, lui pas besoin de mettre uniforme, lui assise comme il a envie, lui get ce bolom, lui get ses enfants, mais lui oublie que quand lui peut travailler dans seul la case, il prend un target. C'est lui-même qui peut venir son propre supervisor. Patron, pas besoin de dépenser l'eau, transport. Patron pour capable communiquer avec lui qui a envie et dire voilà où ça met où vous allez répondre. Dans les autres pays, dans les autres syndicats, comme à Jane Findier, d'ailleurs, c'était SPP en boîte les poids. Débat bien continué. Nous bien trouver un moyen comment nous pour organiser nous. Il n'est pas normal. Nous n'avons 10 ans, nous n'avons la loi travail qui met fin à la casualisation du travail, le travail contractuel.
nouveau la loi Workers Rights Act vient dire où tout travail de nature permanent ou pas qu'à donner du monde travail le contrat. Jodi le plateau où gagne un consultant, heureusement il n'est pas dans les syndicalistes. Il vient dire comme ça, non, dans la loi, il y a une win-win situation. Si le patron a envie de travailler là, un travail temporaire, ben, il n'est qu'à vous donner un travail la tâche. Mon soke. Heureusement, dans la période de carême, je ne pas jouer, je ne pas nourrir, je garde tout mon calme, je reste tranquille. C'est ça la nouvelle normalisation. Qui même man qui man pseudo dirigeant qui représente travailleur jodi je peux vendre notre l'âme malheureusement li comme ça mais nous pas pour vendre nous l'âme nous pas gain tracao Jean Reyes pas pour aller dans aucun parti politique pour venir ministre pour venir noyer d'ailleurs moi j'ai dans nous gouvernement nous premier ministre là-bas qui nous prêter nous venir man pion qui vous a dit man leader la permission quand pour respirer quand pour forte en anglais on connaît qui veut dire forte. Non, ici nous bien. Nous bien quand nous étions, parce que nous sentions, nous pouvons faire un travail divin. Tout bon, tout prophète qui m'a dit, il la guerre pour nous opprimer dans la société et nous pour continuer. C'est pourquoi, moi, j'invite tout mon camarade. Aujourd'hui, c'est le moment, nous tirons par le message. Après le 1er mai, demain, nous tous, pour retourner à la normale, excepté un petit groupe village dans le sud, nous faisons joindre. Nous faisons continuer, partage nous l'opinion. Laisse débat fait dans la contradiction. Nous venons avec une idée innovateur pour nous guetter comment nous pouvons organiser contre sa monstre à plusieurs têtes là. Et là, mon papa explique une mythologie grecque ni romaine. Nous coupons la tête qui s'appelle casualisation du travail. Nous coupons la tête qui appelle mettre du monde dehors, pas payer un sou. Nous coupons la tête qui appelle ou de fermer, ou sans de justification. Les autres, la tête peut sortir. Les autres, la tête peut appeler robotisation. Les autres, la tête peut appeler work from anywhere. Les autres, la tête peut appeler nous bien capables de comprendre qui nous donne une situation et un nouveau normal. Donc, nous bien dans nous la tête, penser qu'il nous va nous gladiater, nous bien finir, ça va nous monstre. À plusieurs têtes là. Mon camarade, je parle de là parce que je te connais. La force qui mena, l'amour qui mena, c'est surtout partager, partager, partager. Je parle de là, merci. Mais avant de m'arrêter là, dans mon discours, plusieurs fois, je me suis demandé ça. Nous pouvons organiser autrement. Nous pouvons venir avec une idée innovateur. Sans l'équipe, derrière cet aspect. Tout le monde remercie Jean Reyes. Dans le film, là, nous, acteurs, actrices principales, tout le monde connaît nous, avec Agathe Saroukan ou une autre actrice. Mais pour ce film-là réalisé, il y a un caméraman, il y a du monde qui est script, il y a du monde qui nous coûte l'aise pour mettre pour donner à acteurs, actrices, mettez derrière ça, c'est ça nous backbone. Zodi, c'était respect par les scènes jours passés, par les scènes événements passés, tant qu'il nous pas fait, nous l'avons attendu, et nous pas bandimoun qui n'existe dire oui ou non, nous causer avec evidence.